Voilà. Ben, tout d'abord, un très très grand merci pour votre accueil, parce que très honnêtement, c'est l'accueil le plus sympathique que j'ai reçu depuis mon arrivée en Serbie. Donc bravo à vous. Voilà. Très rapidement, je voulais vous dire mon grand plaisir et ma fierté d'être devant vous aujourd'hui. Je voulais une nouvelle fois devant vous remercier le maire de son accueil, nous de nous entretenir. Nous avons passé en revue toutes les catégories de notre coopération. Bien sûr économique avec l'entreprise Tigar, mais également culturelle et puis linguistique. Monsieur le directeur, monsieur le proviseur, je voulais vous remercier également bien sûr de votre accueil. Voilà, et également bien sûr les professeurs qui apprennent le français au quotidien aux élèves. Et vous, chers élèves, qui m'avez encore une fois, qui m'accueillez si bien et si sympathiquement. Alors, quelques mots peut-être pour vous indiquer à quel point nous sommes attentifs et nous sommes très heureux de la coopération que nous avons avec la ville de Pirote et votre lycée. Parce que très sincèrement, nous considérons que la coopération que nous avons à Pirote est tout à fait exemplaire parce que tout le monde est réuni autour du même projet qui est la défense du français, que ce soit la mairie, les entreprises locales, la direction du lycée et bien sûr l'Institut français et l'ambassade. Cette coopération exemplaire a permis de bâtir ici à Pirote, notamment dans votre lycée, une section bilingue dont je pense vous pouvez légitimement être fier. Je comprends que jusqu'à ce jour, ça fait environ 150 élèves depuis 2012 qui ont suivi ce parcours et qui ont été accompagnés par une douzaine d'enseignants. Alors aujourd'hui, nous avons signé une convention de coopération il y a quelques minutes à la mairie entre la ville, le lycée, l'ambassade, mais également deux écoles primaires de la ville, l'école Vuk Karadžić et l'école du 8 septembre, ce qui fait que ce que vous avez créé, vous voyez, ici dans votre lycée, eh ben, se répand et prend une ampleur encore plus importante. Voilà, alors vous voyez comme vous avez des bons résultats et grâce à l'équipe de direction du lycée, eh bien, nous sommes encore plus exigeants et nous essayons de faire en sorte que les résultats soient encore plus excellents. Vašeg gimnazije, mi smo na neki način sebi dopustili da budemo
que je pourrais être interprète. Et donc je suis très heureux que le lycée de Pierrotte ait récemment déposé une demande pour être labellisé le label France Éducation. Vous savez, c'est un label important qui distingue dans notre système les tout meilleurs établissements scolaires. Jusqu'à présent, il n'y a que 4 lycées en Serbie qui bénéficient de ce label, 2 à Belgrade, 1 à Novi Sad, 1 à Niš, et j'espère très sincèrement que votre lycée pourra rentrer dans ce club très fermé et très prochainement. Voilà. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations pour votre, je dirais, motivation à apprendre le français. Merci à vous, monsieur le proviseur. Merci à monsieur le maire et puis surtout merci à tous les enseignants du français, de français qui travaillent au quotidien à vous apprendre cette belle langue. Et puis bravo à vous pour votre motivation et pour vos résultats, et je crois qu'on va remettre des diplômes dans très peu de temps. Bravo encore une fois à votre motivation et aux résultats, et je pense que nous allons maintenant partager des diplômes.